Ce vendredi 30 octobre, Pascal Praud a clôturé sa semaine avec l'heure des pros en matinée sur Cnou. Au cours de son rendez-vous quotidien, le journaliste a multiplié les échanges musclés avec l'un de ses chroniqueurs. Pauvre France, pauvre pays. En guise d'ouverture de l'heure des pros, Pascal Praud s'est offusqué de la décision du gouvernement de faire porter un masque aux enfants de 6 ans à l'école. S'il fallait un exemple de la bêtise de l'époque quand l'administration prend le pouvoir. Pauvre France, pauvre pays, livré à de frileux professionnels qui vivent sans risque et préservent leurs intérêts, a-t-il lâché, avant d'être recadré par Laurent Geoffrin. Pascal Praud versus Laurent Geoffrin. C'est tout faux ce que vous dites. C'est les hommes politiques qui décident, pas les fonctionnaires, a nuancé Laurent Geoffrin. Quelques minutes plus tard, l'ex-directeur de la rédaction de Libération a eu une nouvelle passe d'armes avec Pascal Praud. Tandis que ce dernier évoquait le manque de lits en réanimation, Laurent Geoffrin s'est emporté contre une thèse café du commerce. Il a alors tenu à s'en expliquer, en vain, puisque Jacqueline Eustache-Brignaud s'est emparée de la parole. Audience concluante pour Cnou. À la veille de cette édition mouvementée, Pascal Praud a assuré le succès de Cnou. L'heure des pros a mobilisé 391,000 téléspectateurs, soit 9,2% des 4 ans et plus, entre 9h et 10h30. Cnou, stable par rapport à mercredi, a recueilli les suffrages de 11,3% des ICSP plus et 8,7% des 25-49e dents. Elle s'est classée deuxième chaîne de France auprès de ses derniers publics.